Bonjour à tous les amis, très heureux de vous retrouver. J'ai sorti le petit maillot vintage de Manchester parce qu'on va parler de ce qui est ici, du logo du club mancunien. On va également un petit peu parler du club ennemi de Manchester City parce que si vous ne l'avez pas remarqué, il y a un petit bateau qui est présent sur les deux maillots et ça a une signification qui est assez importante. Donc on va parler de ça, c'est parti. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 qui te permet de suivre toute l'actualité du foot, les stats, les résultats de match, le mercato, l'actu. L'application est gratuite, disponible sur iOS et Android et je te mets le lien dans la description. L'emblème de Manchester United est un des plus iconiques du football. On le reconnaît par sa forme, sa couleur et par la présence du Diable Rouge. Il envoie un message très clair. Mais pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Alors comment Manchester en est arrivé à ce logo final? C'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Tout commence très tôt. On est alors en 1909, finale de la FA Cup. Et première fois qu'il y a l'apparition d'un logo sur le maillot de Manchester, c'est la rose rouge, symbole du Lancashire. Et elle sera utilisée jusqu'en 1948 sur le maillot de Manchester. Viendra ensuite le logo et symbole de la ville de Manchester, qui ira donc sur le maillot de Manchester United et sur celui du voisin Manchester City. Finalement, il y a rétropédalage, le logo est trop compliqué à déchiffrer et finalement les deux clubs vont faire chacun leur propre logo. Et comme d'habitude, Manchester United respecte l'histoire et souhaite surtout garder l'héritage du passé. Le club cherche donc un écusson qui rappellerait celui de la ville en affirmant sa propre identité. C'est ainsi que dans les années 50 est apparu le logo des Red Devils, le surnom que donnaient les supporters aux joueurs du club. Le logo est constitué d'une bande en haut et en bas où est écrit le nom du club. Ça paraît logique. Deux ballons font le lien pour souligner encore qu'il s'agit bien d'un club de football. Et enfin, au centre figure un blason qui rappelle les armoiries du Moyen-Âge. Le logo est très simple, mais la seule fantaisie et ce qui nous intéresse, c'est ce fameux bateau à trois voiles. Que signifie ce bateau et pourquoi est-il également présent chez le logo des voisins de Manchester City? Il symbolise tout simplement le passé commercial glorieux de la ville de Manchester et du canal qui traverse la ville. Une référence à son histoire, un élément seul survivant de l'ancien blason. Et ce fameux bateau est présent dès le deuxième logo du club, d'où son importance. Comme je le disais tout à l'heure, Manchester United et Manchester City avaient à un moment le même logo, c'est-à-dire le logo de la ville de Manchester. Puis les deux se sont différenciés. Manchester United est parti sur la couleur rouge et chaude, tandis que Manchester City est parti sur une couleur froide et bleue. Et si on fait le rapprochement avec d'autres clubs de la même ville, on se rend compte que c'est exactement la même chose. Liverpool en rouge, couleur chaude, Everton en bleu, couleur froide. Et on peut également constater cela au Milan AC avec le Milan en rouge couleur chaude contre l'Inter Milan en bleu couleur froide. Ça ne fonctionne pas avec tous les derbies, mais il est vrai que beaucoup de derbies ont cette similarité. Et enfin, plus tard, viendra le fameux diable au trident présent en plein milieu du logo, juste en dessous du bateau et avec une taille assez conséquente. Je pense que vous avez deviné pourquoi. Il vient évidemment du surnom, comme je disais tout à l'heure, des supporters à leurs joueurs, les Red Devils, les Diables Rouges. Et c'est en fait l'illustre Matt Busby qui en est à l'origine. Il s'est fortement inspiré d'une équipe de rugby, Salford City, surnommée tout simplement les Red Devils. Concernant Manchester City, maintenant on va en parler rapidement. Donc en 97, il y a l'apparition de l'aigle. La rose a disparu du logo. Le bateau à trois voiles est toujours présent, mais il est très discret. Et à l'instar de la Juventus, Manchester City refait son logo en 2016 avec le retour de la rose et évidemment ce fameux bateau à trois voiles qui a une telle importance pour Manchester, qui a une place majeure désormais sur ce logo. Manchester United et Manchester City ont tout qui les oppose actuellement, mais lorsqu'on regarde l'histoire de leur logo, on voit qu'ils ont énormément de points communs. J'espère que vous avez apprécié ce petit épisode sur l'histoire des logos. Si vraiment ça vous a plu, faites-le moi savoir dans les commentaires et avec
un maximum de pouces bleus. Et en fonction de vos retours, je regarderai ça avec attention. Et bien à ce moment-là, je ferai un épisode 2 sur d'autres clubs européens et français. Merci à tous ceux vraiment qui ont suivi la vidéo jusqu'au bout. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle vidéo. Ciao les amis.